Vous l'avez mangé. On a tué ce qu'on a mangé. Oh, mais pourquoi tu dis pas aussi oui? Non, le oui, là, parce qu'il y a deux manières. Moi, je veux une manière. Tu l'as mangé? Oui. Alors, je t'ai posé la question, est-ce que tu as mangé? Je t'ai pas dit comment tu as fait, tu as séché, comment tu as fait quelle sauce, ça m'intéresse pas la sauce. Tu as dépecé, tu as séché, tu as braisé, c'est pas ça qui m'intéresse. Ta manière foufou, sauce arrachée, du blé, c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que tu as mangé? Oui. Ta grand-mère, quelle partie? J'ai mangé la cuisse. Et puis? Un morceau de la cuisse. Mm-hmm. Et la tête? Non. C'est de la viande de qui? Hein? C'est la tête pour qui? C'est toi qui envoies ta viande, non? Oui. C'est toi qui m'a cuisse, qui m'a tête? Tête là? Mm-hmm. C'est pas toi qui mange comme ça, mon prophète. Mais tu as mangé. Et quand tu vends. Monsieur, pardon. Et y a pas de monsieur, monsieur, vous avez tué la vieille là. C'était pas pour aller vendre. Là-bas, on n'est plus commercial qu'ici. Non, écoute, écoute. Je ne parle pas de commerce que tu viens de faire. Je ne te parle pas que tu es dialogue dans des commerces. Hein? Faut, c'est pas ça le théâtre. Je devais commencer hier. J'étais aveu d'hier. J'ai réalisé ça même tout à l'heure. Avant de venir. Tu m'as pas dit que tu as vendu là-bas. Tu as mangé la cuisse et la tête. C'est ce que tu as dit hier. C'est ce qui est vrai. Vous m'avez posé la question. Si vous tuez là. Oh, pardon. Je dis, tu as mangé quelle partie? Tu dis cuisse et puis quoi? La cuisse, tête et le cou. C'est ça, moi, je mange depuis souvent. Ce n'est pas trois parties qui vous plaisent. Pourquoi buter cette cuisse? Vous avez mangé. J'ai dit cuisse, cou et tête. Où est-ce qu'on va sortir par? C'est ça là où vous voulez faire procès des sorciers. Ça te demande sous ta entouche, toi tes juges, les sorciers, et puis va te gagner. Tu ne les moyens pas cela. Lui, il sait, il est convaincu que moi, il sait ce qu'il a fait. Mais c'est jouer, moi. Je vais vous, hein. Pardon, pardon. C'est moi qui suis en train. Tu as tué qui encore? J'ai tué mon oncle. Comment tu l'as tué? Oui. J'ai appelé le groupe, il les a proposé. C'était au cours d'une fête. Et donc, quand on travaille dans un quatrième, il ne nous donne rien. Donc cette année, je prends lui-même. Parle fort. Je prends lui-même ma partition que je devrais faire. Le même nom à la place. Et je ne pourrais pas avoir une autre personne tout de suite. Donc je mets nom. Je n'ai pas compris. Tu as tué ton oncle. Pourquoi? C'est lui qui ne nous donne rien, il nous fatigue pour zéro. Donc s'il quitte là, le grand frère peut s'occuper de nous. Si on travaille avec lui, il peut s'occuper de nous. Donc? Donc c'est pas la colère maintenant, moi je vais donner aux autres. Comment tu l'as pris pour donner aux autres? J'ai pris un filet, je l'ai manipulé d'abord. Hein? Je l'ai manipulé, tu l'as transformé en un cabri d'abord. Tu l'as transformé en cabri. Voilà. Tu fais comment pour transformer en cabri? Il y a des prières là, quant à toi, qu'on prononce. On fait comment? Je vois, tu peux prendre le cri. C'est quel cri? Le cri d'un animal à sept positions. À combien? À sept fois. Sept fois. Sept fois. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. En face de l'animal, tu cries sept fois. Allez, voilà ta personne. La personne se transforme en animal. Voilà. Et puis tu prends ça dans le filet. Et tu. Venez, 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 je l'ai appréhendé. Venez, venez. Ah, venez, venez, j'ai attrapé mon cabri. Voilà. Mmh. Tu t'as donné le cabri. J'ai donné le cabri. Toi, tu as mangé quelle partie? Là, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu un peu beaucoup. Comme quoi? J'ai eu la cuisse. Et puis mes trois parties préférées d'abord. Maintenant on a partagé le reste. Ils m'ont donné ma part. Ils t'ont donné la cuisse. Ils t'ont donné le cou. Mon côté d'abord. Ouais, ça c'est pour toi. Dépêcher le reste. Ils m'ont donné ma part. Donc quand vous dépêchez, vous savez que c'est un être humain que vous êtes en train de manger. Nous, on sent que c'est un cabri en train de manger. Non, non, non. Vous l'avez transformé. Vous savez que c'est un être humain. Voilà. Ouais. On le transforme. Pour ne pas qu'on ait pitié de lui. Ah, vous le transformez pour ne pas avoir pitié de lui. Mmh. Ok. Et quand vous allez attaquer, vous vous transformez en quoi?
Quand on va attaquer? Vous, personnellement, vous. Vous transformez en quoi? Moi, quand je vais attaquer, je me transforme. Soit un chien. Je me transforme. Comment? Comment on appelle ça? Hibou. Non, ça, ce n'est pas encore arrivé au niveau du hibou. Mais quand, qu'est-ce qui arrive au niveau du hibou? C'est quand on va attaquer. Mais quand on va dans un autre village, oui. Voilà, c'est là on se transforme parce que c'est notre transport. Hein? Je dis, c'est là on se transforme parce que c'est là notre transport. Être soit ventile ou bien hibou, être épervier, lèvre, tout ça là. C'est notre moyen. T'as bondi tes yeux là qui? Non, là c'est un accident. Pardon. C'est un accident. T'as bondi tes yeux à qui? Je n'ai pas vendu mes yeux. Monsieur, je suis prophète. Tu le sais. Monsieur, oui? Je suis prophète. Tu sais ça. Tes yeux là, t'as vendu ça à qui? Tu viens délivrer? Je viens à délivrer. Ok. C'est pourquoi je... Oui, mais dis-moi, parce que je le sais. T'as vendu ça à qui? Mes yeux. Quand je dis, si je dis j'ai bandit, je vais vous dire que j'ai bandit. Mais tu es menteur, c'est un accident qui m'est arrivé. Ça, c'est un accident physiquement parlant. Voilà. Sinon, spirituellement, ça se veut dire que tu l'as vendu. Tu me dis, ah bon, c'est faux ce que j'ai dit. Non. Je mens. Je sens d'être menti sur toi. Non. Qui voit mieux que toi, qui t'explique, il ne faut pas le contredire. Donc, tu l'as vendu à qui? À une vieille. À une vieille. C'est une jumelle, on l'appelle Nda. Hein? Nda. Elle a soit appelée Nda. Ouais. Et pourquoi? C'était pourquoi? C'est-à-dire, elle aussi, elle avait un œil. Uh-huh. Et en venant du champ, uh-huh. elle a voulu sauter sur un caniveau. Uh-huh. Et moi, je venais avec ma femme. Uh-huh. Donc, la vieille, en voulant sauter sur le caniveau, elle avait tout buté. Uh-huh. Bon, puisque tout le monde riait, j'ai dit aussi, comme je suis l'un de ses petits-enfants aussi, j'ai dit, ah, ça. Tout le monde se moque de moi, et toi aussi tu te moques de moi, mais tu ne sais pas que je suis en souffrance. Hein? C'est comme ça que je suis, et puis ton grand-père m'a eu et m'a marié, et puis tu te moques de moi. Bon, d'accord, on verra ça. Donc, dans les pardons, pardon, il dit, tu qu'on a qu'à si il ne veut pas, il va faire. Il veut où, il va faire. Et tu as donné. Si, là, tu as donné. Oui. Tu as dit, prends. Ah, mais il a eu plus de force que moi, que je pouvais faire. Tu as vendu ça, c'est ça? Je n'ai pas vendu, j'ai vendu. Si. Tu as vendu. Si je t'ai donné, elle te dit donner, tu as vendu ça. Mmh. Elle t'a donné quel pouvoir? Hein? Quand tu as vendu les yeux, elle t'a donné quel pouvoir? C'est son mal, elle a rendu. Non, monsieur. Quand tu as vendu tes yeux, elle t'a donné quel pouvoir? Mmh. Elle t'a donné le pouvoir de char. Toi, tu ne loues pas quelqu'un, sorcellerie. C'est pas ce que je dis. Mmh. Hein? Mmh. La dame, là, elle a le pouvoir de char. Mmh. Et quand tu as vendu les yeux, elle t'a donné ce pouvoir. C'est pas ce qui t'a donné les yeux, de conneries. C'est pas ce que j'en ai dit. Ah, moi, ce qu'elle m'a donné, c'est chien, c'est pas chien. Monsieur, je suis prophète. Dites pas le nom. Hein? Mm-hmm. Tu n'as pas dit rien donné. Tu n'as pas dit tout ce qu'elle a, elle t'a rien donné. C'est une puissance qu'elle m'a donnée. Mais la puissance qu'elle t'a donnée là, c'est pouvoir de char. Ah. Je vais vous expliquer ce phénomène. Vous savez, les sorciers, quand ils font des aveux, hein, et quand tu n'as pas le pouvoir de détection, de discernement, qu'il reste sur son mensonge, que tu acceptes, il peut te tuer. Essaye, tu ne vois pas. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Moi, je sais comment elle t'a donné le pouvoir. Elle a vomi dans ta bouche. C'est comme ça qu'elle a récupéré de l'œil. C'est pas là qu'il donnait le pouvoir. Pourquoi vous me demandez combien j'ai vendu et puis c'est pas en argent là? Pourquoi j'ai hésité un peu? C'est dans ce monde elle a fait ça. Non. Quand ils vendent, c'est-à-dire c'est monnaie. Quand ils vendent quelque chose là, c'est monnaie. Oui, c'est ça l'échange. Vendre là, c'est les échanges. Quand on a vendu, c'est échangé. On échange. Moi, j'ai ma marchandise, c'est un échange de ma monnaie. C'est ça qu'on appelle vendre. C'est monnaie quelque chose.
Le français, je n'ai pas pris. Je n'ai pas bien pris. Toi, tu n'es pas français, moi, je suis mes frères. Là, je n'ai pas bien pris. Hein? Je n'ai pas fait la différence entre vente et échange. Là, je suis moi. Hein? La vente et l'échange. La vente et l'échange. Là, j'ai pris un peu de retard. Vous voulez-vous que je fasse? Oui. Moi-même, j'ai été gâté à l'âge de 4 ans. Ouais. C'est ma faute aussi, j'ai rembourse. Oui, Jésus. Deux fois échec au bac. Vous croyez que c'est petit? Non, monsieur, il est ça, fait échec au bac. Nous sommes dans les abeilles. Moi aussi, je suis obligé. Vous m'avez donné une force. J'ai fait tout ici, ça ne va pas. J'ai fait là, ça ne va pas. Je dois aussi agir aussi. Vous m'introduisez dans un gouvernement. On doit tous s'impliquer dedans et travailler. Ça ne me fait pas, vous savez, ça ne me fait pas. Donc, ouais, donc là, vous êtes dans le pouvoir. Vous dites la vérité. Oui, là, vous êtes dans le pouvoir, c'est ça? Oui. Vous avez un pouvoir de chat, c'est ça? Oui. En échange de. Mon œil. Ton œil. Quels sont les gens que tu as gâchés? C'est là qu'on va avoir peut-être problème. Le sorcier ne dira jamais le nom des gens qu'il a tué. Ok. Et s'il arrive à dire ça, ça c'est une étape. La deuxième étape, ce qu'il a gâché, c'est difficilement qu'il dit. Et c'est important. Parce que tout à l'heure, il a dit, je fais. J'attends les membres de ma famille pour restituer leur chance. Voilà. Il a dit ça déjà tout le monde. Donc il connaît le nom des gens, certainement. Tu dois nous dire ça. Le nom des gens que tu as gâtés. Parce que tu voulais tout à l'heure, je te parlais avec toi, tu dis, il faudrait que toute la famille soit ensemble. Donc, je dis, si on arrivait aujourd'hui là-bas, demain matin, monsieur, je te rendais oui. les biens. Oui, les biens. Tu as gâché. Je ne vais pas arriver ce soir. Donc, ce soir, monsieur, je vais arriver là-bas. Monsieur, donc c'est là-bas. Moi, je te pose une question, réponds à ma question. Quels sont les gens que tu as gâchés? C'est tout. Ce que j'ai gâché, sont que 6 personnes. Dans le nom. Il y a ceux d'enfants, on dirait Indri Denis. Indri Denis. Oui. Qui est pour vous? C'est un cousin. Un cousin? Oui. Comment tu l'as gâché? Il a dit, il vit, mais comme c'est sa tante qui m'a rendu aussi comme ça, et mon école n'a pas marché, moi aussi j'ai commencé à bloquer les deux enfants de sa petite soeur. C'est Indri Denis et Indri Amina. Comment tu as bloqué? Tu as bloqué quoi chez Indri? Indri? Je lui ai enlevé la connaissance du papier. Ah ah, c'est ce que je voulais savoir. Comment on enlève la connaissance du papier? La connaissance du papier, en sorcellerie, il suffit de le souffler et puis recueillir ses larmes. Ah bon? Comment? Hein? Comment? Vous prenez votre bouche, vous lui sucez l'œil, vous sucez ici, c'est fini. Non, explique-moi. Il va à l'école, ça ne va pas. Il va au tableau, il ne voit rien. Ah ah, d'accord. Vous faites comment? Hein? On attrape sa tête et voilà son œil. Vous sucez ça, ça devient fou. Sucez ça, ça devient fou. À l'air ainsi, il voit très mieux. Mais quand il arrive en classe, il dit bien, comme c'est le centre qui est au tableau, où je suis ça. Il est forcément déchoué aussi. Puis nous venons tous en vie civile. Voilà, pour se prier. La maman a voulu cela. Et moi, maman est bavoulée. Il m'a rendu comme ça. Moi, je l'ai rendu pour mon corps. La deuxième personne. Le cinq fois, c'est la petite sœur, Amina aussi est d'ailleurs. Tu as fait quoi, Amina? C'est la même chose là. Est-ce que c'est le premier de ta classe? J'ai aussi arrêté le fils. En quoi faisant? En la suivant les yeux. Il n'y a pas autre manière que ça. Je suis les yeux sur ma arrêt. À quelle occasion, quel moment de la nuit? Hein? C'est la journée ou dans la nuit? La nuit. Je ne peux pas le faire dans la journée. Dans la journée, on n'a aucune force. La journée n'a qu'une fois. C'est quand on arrive chez nous maintenant, on se manifeste. C'est quelle heure de la nuit? Hein? N'importe quelle heure que tu arrives déjà dans le domaine. Avant minuit? Avant minuit, après minuit. Non, est-ce qu'avant minuit, vous avez un pouvoir? Hein? Avant minuit, on a un pouvoir. C'est quel pouvoir? Même pouvoir sorcellerie. Vous transformez à quelle heure? C'est tant que tu arrives et que tu prends ton habit. C'est bon. Mais l'habit se prend à partir de minuit. C'est ce qui est sûr, c'est que la vie se prend à minuit. Vous êtes très organisé, vous ne pouvez pas à n'importe quelle heure. Donc il faut bien expliquer à la société. Bon. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, ça. C'est pas à n'importe quelle heure, c'est pas à 20h. Bon, venez à minuit. Non, pas venez à minuit.
C'est à minuit, à partir de minuit, voilà, vous partez prendre votre avis. Vous commencez les opérations à partir de 1h du matin. Je vous maîtrise tellement. Vous voyez que j'ai abaissé mes bras. Vous pouvez trouver une force plus lourde que pour toi, non? Que pour moi. Une force plus 10 fois que pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le sorcier. Il reconnaît ses points. C'est pas une question de création. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est 10 fois plus fort que ce qui est en lui. C'est tout. C'est pas non, le Picasso, il est comme ça. Non, non, non. Si tu as Jésus, tu as le pouvoir. C'est tout. Ok? Donc tu reconnais le pouvoir de Dieu. Oui. Tu reconnais le pouvoir de Jésus. Oui. Depuis là, tu étais là, tu tournais, tu tournais. Oui. Ok, ok, deux personnes. Tu as dit Amena et Didi. Et son frère. Denis. André. Et la deuxième, la troisième personne. La troisième personne, ça, c'est mes voisins de classe. Les voisins de classe. Bakou Yao. Pardon, dans la famille, quels sont ceux que tu as détruits? Denis, ma tante. Les sont faits de voisins de classe. Dans la famille, là, ceux que tu as détruits, il y a besoin des noms des gens. Que tu as dans la famille? Oui. Bien. Parce que tout à l'heure tu as dit, Denis. Non, et pourquoi je parle? Je dis ça, tu dis non, tu sais, il faut qu'on rentre en famille parce que je vais restituer le bien des gens. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et de ta doléance, hein, tu veux partir pour restituer le bien des gens. Donc, tu es convaincu que tu as fait des choses en famille, donc tu as besoin de restituer. Alors, c'est ce que j'entends. Dans ma famille, je n'ai pas gâté là-bas. Paternel. Paternel. Je n'ai pas besoin que ce soit paternel ou maternel. Quels sont les gens que tu as gâtés dans la famille? Ce sont 6 personnes. 6 personnes? 6 personnes. Non, c'est pas 6 personnes. Mes 2 enfants, mes 2 cousins et mes 2 amis. Tu n'as pas gâté tes frères? Non. Ça, monsieur, il faut bien me visionner. L'un de mes frères n'est pas dans mon compte. Est-ce que vous voulez changer? Je suis prêt. Il y en a 11 personnes que vous avez gâtées. C'est quoi ce personne? Oh! C'est pas une question de 6 personnes, c'est 11. Et les 5 autres? C'est que celui qui est là. Où il est? Simon, lève-toi. Lui, il est qui? Lui, il est pas gâté, mais j'ai dit de venir prendre le nom. Monsieur. Je vous chasser de chez moi. Non, 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 je vous chasser de chez moi. Non, non, je n'ai pas, non, je ne veux pas te forcer à dire certaines choses. Mais tu entends les mentir et j'aime pas ça. Non, tu es déjà dans l'eau. Quand on est dans l'eau, on n'a plus peur de toi. T'as pas pris? Je ne suis pas plaisanté. Moi, il ne t'écoute pas, mais j'ai envie de l'écouter. Tu es en train de faire des aveux. Mais je sais ce que tu as fait. C'est ça la différence entre un profane qui vient qui t'écoute parce qu'il a envie de t'écouter et moi. Donc quand tu n'es pas dans la vérité, je suis obligé de dire stop. Tu comprends? Si toi tu lui dis de venir, c'est que tu as fait des choses sur lui. Et tu as besoin de le délivrer. Donc tu lui dis la vérité ou bien? Il a déjà dit ça. Quoi? Il m'a frappé sur la route. Oh non, 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 laisse ça. C'est quand si t'as sorti les mon seul fils là, ça m'a ah, monsieur. Monsieur, je suis prêt. A fait quoi? À tout ce que vous allez me donner à gérer. C'est quoi gérer? Mais pour pourquoi tu penses que tu dois gérer? Moi, je viens en sorcellerie, il me coûte cher. Monsieur. Monsieur, il me coûte cher. Monsieur. Avec tous mes enfants. Monsieur. Monsieur. Je suis convaincu que vous ne voulez pas délivrer. Tu ne sais pas qu'en sorcellerie, c'est celui qui te coûte cher que tu donnes? Non, 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 maintenant tu dis comme. T'as entendu dire, écoute-moi. C'est pas maintenant, je n'ai pas à faire de sorcellerie. C'est celui qui te coûte cher là, que tu donnes. Tu n'as pas n'importe qui? Si vous n'avez pas donné, vous rien en sorcellerie. C'est celui qui te coûte cher là, qui tu donnes. Donc, quand tu dis qu'il me coûte cher, c'est que tu as donné. Ben, elles ne vont pas donner n'importe qui, ils ne vont pas demander n'importe qui. C'est celui qui te coûte cher là, qui tu donnes. Parce que, effectivement, moi-même, j'ai arrêté, c'est j'avais cité hier. Donc, tu n'as rien à dire, c'est ça? Hein? Tu n'as rien à dire, je ne vais pas t'aider. Si, lui. Non, lui et les autres, elle t'a détruit 11 personnes. Je suis prêt à le délivrer, c'est pourquoi je l'ai invité. Mais justement, pour le délivrer, délivre-le. Il faut que je travaille, matin, bonheur, je lui remets.
Tu as travaillé quoi? Donc, bon, je travaille avec elle. Monsieur, vous n'êtes plus au stade de travail, Kayou. Tu as dit que tu découvres ici un pouvoir qui est plus 10 fois plus puissant que ton pouvoir. Donc, tu n'as plus de pouvoir. Moi, tout ce que je veux, dis-lui ce que tu as fait. Moi, j'ai fait le travail. Après ton combat, que tu m'as fait sur la route et blessé mon pied, en tout cas, je n'ai pas été d'accord. Je n'ai pas été satisfait jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, partout où je passe, sauf dans la communion là-bas, partout où je passe, je maudis seulement. Je maudis seulement. Donc, par là, comme les autres, je les ai punis. Et toi, pas, je t'ai laissé la vie. Je t'ai libéré de ma clôture. Sors. Parce que non, monsieur, vous n'avez rien dit. Vous n'avez parlé sans rien dire. Donc, je vous invite. Non. Non, tu as parlé sans rien dire. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non. S'il est dans clôture, il faut qu'il sache que tu l'as mis dans clôture et que tu libères la clôture. La porte. Oui, la porte. Je veux le faire en deux, à la maison. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà pourquoi les maîtriser. Pas chaud, hein? Il m'a blessé. Vous voyez ma démarche. À l'œil vu comme en sorcellerie, vous voyez mon pied. Hier, quand je suis arrivé ici, je ne pouvais pas m'arrêter. Le prophète même m'a ordonné de m'asseoir. Mais aujourd'hui, depuis qu'il m'a appelé, je suis là. J'ai dansé, non? Je me sens un peu mieux. Donc, quand moi, je trouve que. Monsieur, lui là, tu l'as mis dans ton anus. Hé! Hé! Tu l'as mis dans ton anus! Faut lui dire ça? Vous faites là seulement, en tout cas. Donc, je mens sur toi. Vous ne mentez pas, mais pour lui seulement. Pour hey, monsieur, je n'aime pas votre comédie. Je n'aime pas votre comédie. Dis au monsieur où tu l'as mis. Mais là, c'est que tu m'as fait, tu l'as mis dans mon anus. Alors. Tu voulais pas le libérer, tu as gardé ça contre ton cœur. Je veux le libérer. Hein? Où l'on tente de forcer, on se force de parler. Non. Je t'appelle, je dis lui, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a témoigné. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait sur lui. Non, mais quand tu dis, et puis on oublie de parler avant que tu lâches le mot. On a l'impression que tu mets sous une pression. C'est la pression que tu nous donnes. Pourtant, on t'a vu danser tout à l'heure, tu dis des sorciers. Tu vas arriver à un moment donné de tes aveux, tu es obligé de stopper, et quand tu parles, parle. Hein? Tu as fait quoi, ce monsieur? C'est ton fils. Que j'ai dit, là. Tu as dit quoi? Parle fort. Il m'a déplacé le pied. Hein? Il m'a déplacé le pied. Voilà pourquoi, moi aussi, par ma folle, je l'ai mis dans mon anus. Comment tu t'es arrangé à mettre la main dans l'anus? Je l'ai mis. C'est l'anus des sorciers, t'as raison. Hein? Anus pour sorcier, là. Ouais. Ah ben, c'est pour ça que je disais. Quoi expliquer? Comment il s'est retrouvé dans la messe? Vous nous expliquez. Moi, il sait que je viens de mis là-bas. Il s'assoit sur lui. Il s'assoit sur lui. Tu l'as su sur lui. Parle fort. Je dis qu'il vient de mis dans mon anus. Et comment? En le déploiement pour un fruit. Hein? Un fruit. Ouais, non, maintenant il n'arrive pas bien. J'ai changé un fruit. Et j'ai mis dans mon anus. Je ne sais pas. Quel genre de fruit?
Non, c'est des petits fruits là, sous forme de gnagna là. Ouais. Des gros pitons comme ça. Tu vois que je te vois, non, je t'ai dit. Tu sais que toi-même tu es convaincu que tu sais ce que tu as fait. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi expliquer? Pourquoi réagir? Sors ici là, moi il vous réagit, vous savez, vous laisse parler. Sauf que je peux parler à vos plats, t'as fait ça. Toi, tu es un os humain. Un os, c'est ce que tu prends pour tuer les gens. Tu as le filet, puis tu as os, l'os. C'est ce que j'avais dit. Hein? Il me transforme en os. Mais il a ça. Physiquement, c'est pas dans ce délire. Toi, là, on va partir à Iré, là. C'est qui est déterré là-bas, c'est grave. Il va bénir aussi. Parce que les gens qui sont assis à Iré, là, c'est les chefs d'Iré. Ah, ils ont pas dit. Tu n'es pas patron. Il va bien. Tu as des patrons là-bas. Mais toi, tu es le grand chef. Ouais, de mon groupe. Tu es combien? Ah, c'est là, il va parler. À ton frère, là, c'est combien? Nous sommes 7. 16. 7. 16, alors. Quel 7? Quel 7? Bon, mon équipe. Et le 7 de l'équipe est divisé en 4 parties. Monsieur, c'est à moi où jouer. Je ne joue pas, je... C'est à moi d'en jouer. C'est à moi d'en jouer. Peut-être vous avez vu tout le groupe, l'ensemble du groupe. Toi, tu es chef de 16 personnes. T'as dit plus de toi, ça fait 16. Sont 15, toi, ça fait 16. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, la 4 fois 4. Non, je m'en fous de tout ça. Tu veux me faire faire mathématiques? C'est cela que vous voulez faire procès de cela. Vous avez fait procès de sorcier. Mais t'as déjà gagné. Maintenant, tu me dis 7. Là, tu fais calculer 4 par 4. Puis tu dis 7. Pourquoi tu me dis 7? Toi, tu veux jouer à moi. Mais justement, c'est ce jeu-là. Mais c'est ce que tu en train de faire. Je suis venu sur vous. Pardon. Tous mes conneries. Mais donc, dis la vérité. Vous me donnez la liberté. Comment dire? Tu sais que si tu ne dis pas la vérité, tu vas pour mourir, non? Tu sais ça, moi? Oui. Hein? Oui. Bon, je n'ai pas envie de t'influencer par quoi que ce soit. Tu es libre de reconnaître comme de ne pas reconnaître. Tu es libre, hein? Les choses ne forcent pas. Mais je pense qu'il faut avoir cette volonté d'abandonner quand Dieu te donne l'opportunité. De maintenant, tu peux laisser. Parce que maintenant, là, Dieu veut te délivrer. Et ce qui est en train de faire, c'est Dieu qui t'a conduit, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Nous, on ne va pas t'en vouloir tout à l'heure. Ne fais pas que ce soit. Vous-même, vous savez qu'il y a Iré. Vous-même, moi, je ne sais pas. Vous savez ça. Tous les bâtards, je vous ai lancé des filles. Tous les bâtards. Celui qui va manger quelqu'un, il meurt. Depuis le mois d'octobre, je commence à parler. Dit, vos confléries, là, vous arrêtez. Stop. Tous les bâtards. Stop. Ça ne pas venir sortir. Il y a 16 personnes là. Hein? Ok, on y va. Oui, comment tu as fait? Si tu veux t'asseoir, t'es nommé chef, hein, de toute façon. D'accord? Ok, on va te faire. Non, 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 c'est ça. Chacun sa chaise. Quelqu'un dit, il mène à Nice. Ok, ok. Notre souhait, c'est que tu quittes le camp du diable, ok? Voilà. Tu quittes le camp du diable. Le diable, c'est un menteur. Dieu t'aime. Quelles que soient tes erreurs, quel que soit tout ce que tu as fait, Dieu peut te sauver. Sur la terre ici, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. C'est-à-dire, quand il dit bon, il y a nous tous sont pécheurs. C'est que pour toi, ça fait peur avec tes sorcelleries. Vous, mais vous gâtez, gâtez, gâtez. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va lever le doigt ici pour te frapper.
J'ai délivré un grand sorcier de l'Église devant sa famille. Sa fille qui vient de Paris, elle est habitée, elle ne voulait plus. J'ai dit, j'ai récupéré sa fille, nous sommes allés à Kumasi saluer son papa. Il dit, ton papa dit qu'il est délivré. Il dit, mais est-ce qu'il m'a fait? J'ai dit, mais toi aussi tu pêches, tu fais des vilains choses aussi avec des gens. Quand tu fais la prière, tu dis, pardonne mes fautes et pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et il t'a offensé, il faut pardonner. C'est une méthode. Si tu ne fais pas des aveux, il sera difficile que tu sois délivré. Tu comprends? Mais dans les aveux, c'est vrai, je vous comprends, parce que là-bas, c'est une société secrète. Quand vous parlez, là-bas, là, on ne dit pas ça au grand jour. C'est pas ça? Moi, je suis prêt à le dire. Parce que... Non, c'est maintenant que tu vas dire. Voilà, parce que je suis sous une forme, je sais que tu peux m'attaquer. Oui, sinon, on ne dit pas seulement les gens te tuent. Quand tu parles, ils vont te venir te tuer. Tous ceux-là, eux, ils me guettent. Mais il y a une notion d'invisibilité. Quand je les vois là, je sais ce qu'il dit, je deviens invisible. Vous pensez que c'est dans la Bible. Vous me regardez là. Entre le diable et Satan, hein, Dieu, qui copie son camarade hein? Quand moi je vois, je parle les choses, je deviens invisible. Même, si vous voyez ça comme la magie, ça c'est un langage que vous. C'est la vérité, je vous dis. Lorsque Pierre-Philippe a baptisé l'unique Éthiopien, la Bible qu'il a disparu, il allait dans une autre ville. Il va aller le voir. Amen. Amen. Bah, une Bible là, c'est pour jouer ça. C'est pour avoir pouvoir. C'est ça, c'est pas un pouvoir dans la Bible qui marche avec Jésus. Moi, il les voit ceux-là. Il les voit et tout ce qu'il vient. Je parle, paf, puis je les mate. Vas-y, allez, prends Peter, là, prends Peter. Maintenant, on a notre toilette ici. Hein. Monsieur. Non. Ah, il va libérer le petit. Via pas Nagi. Agi yo ya nazaï. Via pas. Atolata ya nazaï. Viapa anaki, agi yo ya nazai. Viapa, viapa anaki, agi yo ya nazai. Viapa, atolaga ya nazai. Il est mis dans mon anus. Ça fait quoi? Il est, de,
Il est déformé à un commerce. Transformé ou déformé? Il est pris sous forme de, comme je dirais, des aubergines. Hein? Il est sous forme des aubergines. Il est pris. Voilà. Sous forme des aubergines. Comment ça? Je vois plus de beaucoup de piquants comme ça. Ah, d'accord. On a qu'un droit au bien. Au pays sauvage. Ça fait pas ça. Non, mais explique comment ça fait. Pour le berger, qu'est-ce que tu as dit sur le berger? Qu'est-ce que tu fais des incantations là-bas? Tu as fait comment? Tu le mets dans la musique. Mais explique-nous. Moi, j'aime bien les détails. Je dis, non, oui, il m'a frappé. Il m'a blessé. Il a frappé? Et moi? Il a frappé? Non. Hein? Non. Tu l'as même fait blesser à lui? J'ai déjà me dit quoi, il ne l'a jamais frappé. Il t'a jamais frappé, il l'a jamais frappé. Comme aujourd'hui, je vais la délivrer beaucoup. Sans quoi? De plus, j'allais ajouter un mois encore. Comme aujourd'hui, sous le commandement, on doit, je demande il pardon. Il allait t'enfoncer encore du temps. Oui. Alors moi, j'ai venu demander ma délivrance. Donc, je veux la délivrance de tout le monde. Parce que je suis prêt. En la délivrant, je suis en sécurité. Moi, je m'en vais ailleurs. Au lieu de le connaître, il allait t'enfoncer. Il veut se lever partout. Pourquoi les autres viennent là? Je ne dis pas que je suis en bataille. Hier, j'étais chez avec lui. On ne peut pas. C'est une occasion de repentir. T'as compris? Hein? Lui, là, il ne peut pas mentir. C'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels il manque, mais il ne peut pas venir dire la vérité. Non. Moi, je suis convaincu, ce qu'il dit est vrai. T'as compris? C'est pas avoir honte. C'est ce que tu as fait. C'est ce qu'il a dit. Il dit que le patient est devant Dieu. Sinon, il allait t'enfoncer. Il allait t'enfiler très loin. Tu as commencé à venir au bout. Il allait là-bas, là, vous délibérer. Tu as commencé à arriver au bout, tu veux parler, va aller. C'est la grâce de Dieu. C'est bon de voir un sorcier reconnaître la puissance de Dieu. Amen. C'est intéressant de voir un sorcier reconnaître la puissance de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Donc, vous l'avez transformé comment? Quand il vous a frappé, et pourquoi? Pourquoi il vous a frappé? C'est quelqu'un que sa main a fait de la machette pour travailler. Hein? Je dis que c'est un homme qui a peur de travailler. Ah, d'accord. Il y a deux chocos. Bon, il fait rien, il ne fait qu'à vendre du pavot. D'accord. Moi, je ne m'intéresse pas, parce que ça va être fini. Il vend les pavots. Il provoque, il dit qu'il n'aime pas ma femme du lard. Ah, tu as une femme du lard. S'il vous plaît. Il a même blessé ma femme une fois. Ah ouais? Et ma femme est partie. Non, reconnais au moins. Le vieux, il n'a pas de démenti. S'il a dit de venir, si le vieux l'a dit de venir, c'est pas pour jouer à toi. C'est qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc, quand il est en train de parler, il ne ment pas. C'est pour te libérer. C'est vrai? Il veut que toi-même tu assistes à ta délivrance. C'est pas lui qui a dit de venir. Il n'a pas de venir. Hein? Ah, mais là, il est venu, puis il va mentir. D'abord, il a même toi-même dit que c'est le Christ qui j'aime. Il dit, ah, c'est une raison même pour te livrer même. Le Christ a ce sujet. Allez, allons-y. Donc, il a frappé ta femme du lard. Il a frappé. Vous avez combien de femmes? Il y avait trois. Vous avez trois. Il reste combien? Il reste une du lard. Les deux autres sont partis. Oui. Donc, quand la douleur voyageait, elle disait ses parents à ordiner,
derrière lui, il se cache pour aller couper le fagot du mandat. Ah, d'accord. Et un jour, je suis allé au champ là-bas, je vois un fagot qui est tombé sur les bananiers du mandat, ses piments, tout ça. Là. C'est ça. Mais ça fait rien. Je vais, je reviens en ville, matin, je vais dire bonjour à mes frères. Je vois, voilà, je vois qui a entassé du bois. Ils sont en train de vendre. Elle a pris le bois. Il a pris le. Il a chargé le fagot là et il est venu vendre. Voilà, à quelqu'une. C'est elle qui vend le train de son compte aussi. Ah, d'accord. Là, moi, j'ai demandé, vous êtes fagot là. Hier, vous êtes parti en bourse là-bas, coupez fagot là. Mais nous, on n'est pas parti en bourse. Mais il faut demander Simon. Il faut demander Simon. Je vais lui demander. Plus que bas de fer dans le feu, on ne peut pas toucher. Mais laissez. Seconde fois encore, il va couper l'autre encore. Encore voilà. Voilà. Et je le vois maintenant, il a entassé ça. Là, moi, j'ai pris le rameau du palmier, j'ai mis dessus. Ça symbolise quoi? Voilà, on ne peut pas toucher. Ah bon? Comme j'ai fait cela, il vient en vitesse, derrière moi, il prend ma pomme, mon ignan, et quelque chose encore là. Ma pompe de vélo, mon ignon. Tu veux plus d'ignon? Hein? Tu veux plus d'ignon? Mm-hmm. Trois choses. Il en reste à où? Il s'en va en ville avec. C'est à moi, j'ai croisé le manœuvre de mon frère. Je lui ai dit que tu n'as pas vu mon fils. Parce que j'étais allé me purifier. Et au retour, il a ramassé les choses. Oui, j'ai. Ma route, aller le barrager de lui. En venant, voilà comme ça, il a sa manchette. Le motif, il a dit que ton pouvoir t'attend, il va. Il est venu. Donne-moi mes matériels. Voilà le but de mon pouvoir. Dis-moi tout. Tu as pris pour mon pouvoir, moi, j'ai protégé mon pouvoir de ne pas prendre. Tu as pris l'autre, c'est moi, il t'a dit que c'est aussi. Tu travailles pour moi. C'est pas la même femme qui a blessé, là. C'est son pouvoir qui est en train. C'est le jour qu'elle arrive. Avec quoi elle va faire son truc. Il dit, oh, laisse-moi passer. Il dit, tu passes pas ici. Aïe. En même temps, il m'a tout été. Voilà le but de l'autre. C'est là qu'on a commencé. C'est ça? Oui. C'est ça? Tu l'as passé quand même. Hmm? Tu les connais sans moi? Oui. Ok. Donc, ce sera pas un frère. Tu comprends? Oui. Hmm? Et c'est là que tu l'as pris? Oui. Tu l'as pris comment? Parce qu'il a quoi de la vie vis-à-vis ici, que moi. Donc moi, si je mettrais sa chance, en voici, je promets maintenant, la fagot est finie, là-haut. On n'a aucun travail. Si je suis comme ça, il va prendre fagot la bande maintenant, en voici. Tu l'as mis dans la nuit. Un compte rendu. C'est cela que tu l'as mis dans la nuit. Oui. Donc tu l'as récupéré. Tu as parlé sur le truc, tu t'as mis dans la nuit. La c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Où sors-tu? Où sors-tu? Va faire ce que tu veux. Si c'est moi qui m'a frappé là, sous le soleil, le où je t'amène là, si tu as pu sortir au nom de Dieu, c'est que c'est toi qui m'a mis, moi, c'est pas moi. Oui? Mais D est minuscule. C'est pas notre Dieu D majuscule. Donc, à demain, c'est sexy, toi. Hein? C'est Dieu. C'est Dieu. Hein? Ça l'est pour vous, cher bandit. Maintenant, tu vas le libérer. Tu le libérer même? Non, tu vas le libérer. C'est-à-dire, le matériel a. Je dis oui. C'est si je vais entendre. Sinon, à côté, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai oui ou non. Tu dois libérer. Tu vas le libérer. Oui. Ok. Hein? Faut parler. Tu vas aussi. Adresse-toi. Je dis de venir, qu'il est, je vais le libérer. Ouais, maintenant libère-le. Maintenant, il faut le matériel que j'ai enlevé depuis le mardi gardé. C'est ça que je vais prendre. Il est gravé, c'est pour que ça n'est pas. Monsieur, tout ça, là, ça ne fait pas délivrer quelqu'un. On n'a plus que ce que tu as. Ah, je te dis même que tu m'as conduit ici, ça me fait beaucoup plaisir. Tu vois si je danse, je ris, vraiment. Est-ce que mes enfants soient sauvés, je suis sauvé. Alors,
Je suis content, je ne sais pas comment. Si j'avais moyen, mais chaque soir, je vais payer du vin et boire. Pour laisser après les salles. C'est parce que vous t'adressez à lui. D'accord. Pourquoi je t'ai appelé? Voilà. Que ça soit devant tout le public. Tu m'as frappé à hier chez nous. Moi, je t'appelle ici à Dibou, tu ne connais même pas. Je dis à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu m'as fait, au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit, ta libération est claire. Je suis avec ton bonheur. La même minute. Et avec ton bonheur. Tu l'as mis où? Ce que tu fais dans ta vie, que ça soit ton bonheur. Tu l'as mis où? Hein? Tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Non, tu dis que tu l'as libéré sans dire où tu l'avais mis. Il n'a qu'à sortir. C'est hiver. Tu t'es arrivé dans mon anus aujourd'hui. Et voilà ton bonheur. Vraiment, mais. Je vois Dieu, Jésus, Saint-Esprit, tout le monde de Dibo, la région de Dibo, je vois et je te libère. Je vois avec le bonheur. Amen, c'est chacun de vous, on va prier. Chacun de nous va prier. Réclamer la grâce de Dieu, tu vas demander que Dieu te libère. Donc, on lit un passage tout à l'heure chez Lamentation de Jérémie, le chapitre 5. Si, si, allez-y. Lamentation de Jérémie. Mais venez, monsieur, je vais vous amener à accepter Jésus d'abord. Venez, il faut que vous acceptiez Jésus. Merci, la chaîne. Est-ce que vous êtes prêt à quitter le camp du diable pour appartenir au camp de Jésus? Oui. Très bien. Vous êtes prêt à renoncer à Satan? Oui, mon prophète. Levez vos mains. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte. Je t'accepte. Je décide. De t'accepter. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et au Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi.